Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Klippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, PlayStation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'asso NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'asso comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors merci à vous par avance et bonne vidéo. Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour notre cinquième vidéo de cette série qui se concentre sur les futurs jeux Rockstar et tout ce que l'on sait à ce jour sur ces derniers. Donc comme on vous le rappelle depuis pas mal de temps maintenant, on lance une nouvelle série sur notre site et notre chaîne YouTube avec deux formats, avec les fils rouges et les dossiers, ce que l'on sait à ce jour. Concernant les fils rouges, ce sont des dossiers consacrés aux jeux Rockstar qui ne sont pas encore officiellement annoncés avec un récapitulatif de tous les événements liés à ces derniers, que ce soit les annonces, les déclarations officielles, les rumeurs très possibles, les rumeurs, les fake news, que nous débunkons. Les dossiers, ce que l'on sait à ce jour, sont des articles régulièrement mis à jour qui se concentrent sur des jeux qui viennent d'être annoncés avec toutes les infos et les récaps des informations officielles dévoilées par Rockstar Games depuis l'annonce de ces derniers. Nos fils rouges et dossiers, ce que l'on sait à ce jour, seront régulièrement mis à jour chaque semaine ou chaque mois en fonction de nos nouvelles informations, donc n'hésitez pas à les consulter régulièrement. C'est pourquoi nous réaliserons également une fois par an en moyenne une mise à jour vidéo pour vous tenir informé des dernières actualités s'il y en a eu autour des prochains jeux de la firme étoilée. Pour cette cinquième vidéo, nous allons évoquer le cas de Bully 2, la nouvelle licence qui devait poursuivre les aventures de Jimmy Hopkins et qui fut, selon les dernières rumeurs, officiellement annulée. C'est parti! La première fois que l'on entend parler de Bully 2, c'est en 2013, soit 7 ans après la sortie du premier opus, juste avant la sortie de GTA V. Le 31 juillet de cette année-là, Take-Two redéploie la marque déposée Bully, laissant sous-entendre qu'ils n'en avaient pas terminé avec cette dernière. Le 26 septembre 2013, soit 10 jours après la sortie de GTA V, Dan Houser est interviewé dans le cadre de la promotion du jeu. C'est au cours de cette interview pour le magazine Polygon que le vice-président de Rockstar Games à l'époque confiait qu'il adorait la licence Bully et qu'il espérait vraiment qu'une suite verrait le jour dans les prochaines années. Deux mois plus tard, le 25 novembre 2013, Bully fait une nouvelle fois parler de lui avec le dépôt de la marque Bully Bullworth Academy Canis Canem Edit par Take-Two Interactive, nous faisant comprendre là encore que la licence était loin d'être abandonnée. Et quelques mois plus tard, en 2014, Take-Two confirmait nos pensées puisque son PDG, Strauss-Jelnick, considérait bel et bien la marque comme une licence aux côtés de GTA, Red Dead ou encore Halo Noir, sous-entendant qu'il ne s'agissait pas d'un jeu unique et qu'il y aurait au moins une suite à l'avenir. L'année d'après, le 23 juillet 2015, on apprenait que la marque Bully Bullworth Academy, Canis Canem Edit, qui était déposée par Take-Two en novembre 2013, avait bel et bien été validée. En revanche, Take-Two avait demandé une modification du nom de la marque à ce moment-là, laissant là encore bel et bien penser que des choses étaient en préparation. Ensuite, ce sera le silence radio pendant quasiment 2 ans. Il faudra attendre le 8 juillet 2017, juste avant l'E3 de Los Angeles, pour qu'une grosse fake news affole la toile. L'affiche du jeu Bully Kevin's Back Jack aurait été repérée sur le site officiel de Game Informer avant d'être rapidement mise hors ligne. On apprendra rapidement qu'il s'agissait en réalité d'une fake news et que Game Informer n'avait jamais mis en ligne ce genre de page sur son site officiel. Ce fake aurait été organisé par des trolls sur les forums comme Reddit et 4chan pour affoler la toile juste avant l'E3. En revanche,
Deux semaines après, le 22 juin 2017, l'offre d'emploi publiée sur le site de Rockstar Toronto n'était ni un troll ni un fake. La filiale de Rockstar était ainsi à la recherche de nouvelles personnes pour travailler sur un important jeu en monde ouvert. À cette époque-là, Rockstar Games n'était pas encore totalement passé au fonctionnement global où tous les studios de la firme étoilée travaillaient sur un seul et même jeu. Chaque filiale avait ses propres licences. Et sachant que du côté de Rockstar Toronto, les jeux étaient The Warriors, Bully et les deux premiers Max Payne, il ne pouvait s'agir que d'une offre d'emploi pour Bully 2 ou pour une nouvelle licence. À la fin de l'été, le 30 août 2017, peu de temps après la publication des potentiels concept art d'agents sur Internet, le média GameZone confirmait le développement du jeu justement et confirmait par la même occasion que Bully 2 était lui aussi bel et bien en préparation du côté de chez Rockstar Games. Au début de l'année 2018, au mois d'avril plus précisément, Rockstar Toronto publiait de nouvelles offres d'emploi précisant qu'ils étaient en train de travailler sur un nouveau jeu qui était prévu sur les consoles de nouvelle génération, à savoir à l'époque la prochaine Xbox qui deviendra la Xbox Series X et la Xbox Series S ainsi que la PS5. Le 10 octobre de la même année, on apprenait qu'un studio londonien, dont le nom n'avait pas été dévoilé, organisait un casting le 26 octobre, soit le jour de la sortie de Red Dead Redemption 2, pour faire passer des auditions à des jeunes afin qu'ils puissent servir de motion capture dans un nouveau jeu mettant en scène des adolescents turbulents. Là encore, le studio londonien, on ne peut faire que le rapprochement avec Rockstar London, qui s'occupe notamment du marketing, de la communication, mais également avec Bully, puisque la licence avec les adolescents turbulents s'y prête parfaitement. Début 2019, dès le 8 janvier, on apprenait que Rockstar India, qui avait rejoint la grande famille de Rockstar lors de l'été 2016 et qui devait principalement porter main forte aux différents studios de la firme étoilée sur les projets en cours de développement, s'activait sur le développement d'un jeu pour la prochaine génération de consoles. Et vu la récente offre d'emploi concernant Rockstar Toronto l'année précédente, il était ainsi logique de penser que Rockstar India allait contribuer au développement de Bully 2. Quelques jours plus tard, le 14 janvier 2019, un nouveau fake sur Reddit confirmait que Bully 2 allait être annoncé en septembre de cette année-là, avec une sortie prévue en 2020 sur PS4 et Xbox One. On apprendra là encore très vite que ces rumeurs étaient totalement fausses et infondées. S'en suivra de nombreuses fake news au cours de cette année 2019 avec le site Polygon qui va créer un faux article avant de rapidement rattraper le coup en sous-entendant qu'il s'agissait d'une erreur. Plusieurs screenshots et des aperçus d'un menu et d'une map vont leaker également sur des forums et des sites communautaires, mais là encore, tout sera faux. La seule rumeur crédible nous provient d'un insider plutôt réputé qui a annoncé le 15 juillet 2019 que Bully 2 était bel et bien en développement avant d'être tout simplement annulé à la fin de l'année 2017. Des informations confirmées par d'autres insiders de l'industrie du jeu vidéo en octobre 2019 indiquant que Bully 2 était bel et bien en développement pendant une période avant d'être, selon eux, mis en stand-by et pas totalement annulé. Il faudra cependant attendre le 6 janvier 2021, soit un an et demi plus tard, pour que Test Tour, insider confirmé et réputé dans la communauté Rockstar, confirme à son tour le développement puis l'annulation de Bully 2. Le 25 février, un post anonyme sur Reddit publie de nombreuses informations sur Bully 2 et sur son contenu avec toutes les choses que l'on aurait pu avoir dans le jeu. Des éléments sur l'histoire, sur le gameplay, sur la technique du jeu, on y apprend vraiment de nombreuses choses relativement crédibles, mais hélas qui était impossible à vérifier à ce moment-là. Alors que les fans perdaient peu à peu l'espoir qu'il leur restait, c'est Tom Henderson, là encore insider réputé dans l'industrie du jeu vidéo, qui venait raviver la flamme. En effet, l'insider confirmait qu'un projet autour de la licence Bully était en préparation et que certains journalistes auraient même vu ces choses-là en amont des Game Awards. En revanche, Tom Henderson ne pouvait pas en dire plus par manque d'informations et il ne savait pas non plus si ce quelque chose allait être montré lors de la cérémonie la semaine d'après, stipulant qu'il y avait tout de même très peu de chances que ce soit le cas. Contacté par nos soins, Tom Henderson nous a confirmé que ses sources de l'époque étaient vraies. Hélas, il nous a précisé également qu'il n'avait pas eu de nouvelles informations sur ce fameux projet depuis le 9 février 2022, date à laquelle il confirmait une ultime fois qu'un projet autour de Bully était en préparation du côté de chez Rockstar. De notre côté sur Rockstar Mag, on vous rappelle qu'on avait eu des informations concernant le rachat de Ruffian Games devenu Rockstar Dundee, qui travaillerait apparemment sur un projet sous Unreal Engine autre que le développement de GTA The Trilogy. Ce projet-là pourrait-il être un remake du premier opus sous Unreal Engine ? Impossible à confirmer à ce jour.
Et justement, au début de l'année 2022, le 7 janvier pour être plus précis, Game Informer publiait un article spécial avec une interview anonyme d'anciens membres de Rockstar qui confirmait le développement puis la mise en stand-by de Bully 2 avec une pléthore d'informations. Alors nous ne reviendrons pas sur toutes ces informations dans cette vidéo puisque nous avons fait des vidéos et des articles dédiés, puis surtout, comme avec Agent, Max Payne, Red Dead et Hale & Noir, un documentaire sur la licence Bully est en préparation. Vous retrouverez néanmoins tous les éléments et les articles et vidéos dans la description de cette vidéo-là. Au début de l'année 2023, c'est une nouvelle vague d'informations qui nous parvenait de la part d'un ancien développeur de Rockstar qui fut interviewé par le youtubeur SweatGTA et qui nous donnait là encore d'autres informations sur l'histoire, le contenu et la technique du jeu. En novembre et décembre 2023, des leaks du code source de GTA V permettaient de mettre un terme à de nombreuses rumeurs confirmant des lignes de code qui faisaient référence au code source de Bully 2, confirmant donc que vraiment le jeu a été en préparation pendant au moins plusieurs années. 10 ans après les premiers éléments et 17 ans après la sortie du premier jeu, il y a donc très peu d'espoir que l'on puisse voir un jour Bully 2. Récemment, dans notre vidéo centrée sur Agent il y a 2 semaines, on vous parlait d'un développeur de Rockstar qui avait travaillé sur ce mystérieux jeu et il y a une dizaine d'années en 2013, et sur son profil LinkedIn, on pouvait voir les mentions de Bully 2 et d'un certain Bully 3 qui étaient apparus au cours de ces dernières années, laissant sous-entendre que Rockstar avait peut-être pour projet de créer une trilogie. Contacté par nos soins, le développeur n'a pas encore donné suite à nos réponses. Nous avons donc contacté 2 anciens membres de Rockstar qui ont quant à eux répondu à notre sollicitation. Nos 2 sources ont ainsi confirmé une nouvelle fois l'existence de Bully 2 dont le développement aurait débuté dès la sortie de GTA 4 en 2008. D'ailleurs, les équipes de Rockstar North auraient fait plusieurs fois le voyage jusqu'à Vancouver pour expliquer les rouages du nouveau moteur Rage qui devait être utilisé pour Bully 2 et qui avait été utilisé dans GTA 4. Concernant un potentiel Bully 3, hélas, les anciens développeurs avec lesquels nous nous sommes entretenus ne faisaient pas partie des studios Rockstar Toronto, Rockstar New England ou encore Rockstar Vancouver, les 3 principaux studios en charge du développement de la licence. Ils n'ont pas pu répondre clairement à notre question, cependant, selon eux, même si rien n'est confirmé, ils n'ont jamais entendu parler d'un éventuel Bully 3 dans leurs studios respectifs. Pour finir sur un peu de positif et une touche d'espoir, rappelons que par le passé, Red Dead Revolver 2 fut en développement dès 2005 avant d'être mis en stand-by pour revenir et sortir en tant que Red Dead Redemption en 2010, que Hale & Noir fut en développement dès 2005 également avec une annonce en 2006 avant d'être mis en stand-by et finalement sortir en 2011, et que Max Payne 3 lui aussi fut en développement dès 2007 avant de subir le même sort pour sortir en 2012. Tous les espoirs ne sont donc pas perdus pour Bully 2, bien que, pour ne pas que vous vous emballiez non plus, il faut également rappeler qu'un certain agent, lui, fut aussi en développement dès 2004 et même annoncé officiellement en 2009 avant d'être mis une première fois en stand-by en 2006 pour être repris dès 2009 et être nouveau stoppé en 2011 et de manière définitive. Rappelons également à ce jour qu'un Bully 2 dans le contexte et la société actuelle pourrait être bien trop polémique et qu'il ne serait sans doute pas assez rentable sur le plan online pour Take-Two. Affaire à suivre donc. Voilà pour cette vidéo centrée sur tout ce que l'on sait à ce jour sur Bully 2 en avril 2024. N'hésitez pas à nous laisser vos questions et commentaires sous la vidéo pour que l'on puisse les intégrer à notre article et vous que vous retrouverez en description et que l'on puisse répondre à vos questions au cours d'une prochaine vidéo. On se dit à bientôt pour une 6e vidéo centrée sur GTA 6. C'est tout pour nous. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Rockstar Mag pour plein de nouvelles choses. Que ce soit sur notre site, nos réseaux sociaux ou notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous, à bientôt.